Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau son. Écoute bien les mots que je vais te lire. Une bille. Le travail. Une feuille. Une grenouille. La bataille. Un fauteuil. Une abeille. Une fille. Mon réveil. Une citrouille. Qu'entends-tu dans tous ces mots? Dans tous ces mots, on entend le son y. Nous l'avions déjà un petit peu vu la semaine dernière dans le mot miel. Il s'écrivait avec la lettre i plus une autre voyelle. Aujourd'hui, il y a la lettre i dans chacun de ces mots, mais elle est suivie d'autres lettres. Observons bien. Une bille. Le i est suivi par deux l. Continuons. Le travail. Le i est suivi par la lettre l. Et c'est ça qui fait le y. Le travail. Continuons. Une feuille. De nouveau, j'ai la lettre i suivie de deux l. Une grenouille. Encore une fois, le i suivi de deux l. La bataille. Un fauteuil. Une abeille. Dans le cas de une abeille, le i se met avec le e pour faire le e que l'on connaît. Attention, c'est un petit piège. Je n'entends pas abeille. Il me faudrait pour cela la lettre u. Une fille. Mon réveil. Même chose que dans abeille. Le i se met aussi avec le e. Une citrouille. Comme tu peux l'observer, dans chacun de ces mots, j'ai la lettre i avec deux l ou avec un l. Pour savoir si je mets un L ou deux L, c'est facile, regarde bien. Ici, j'ai un mot masculin. Le travail. J'ai mis IL à la fin. J'ai encore une fois un mot masculin. Un fauteuil. Et mon réveil, c'est aussi un mot masculin. Attention! Je peux avoir des mots masculins qui s'écrivent avec deux L si le son est au milieu du mot. Mais c'est très rare. Donc, pour le moment, tu peux retenir que si tu entends le son Y dans un mot masculin, il s'écrit avec IL. Et dans un mot féminin, il s'écrit avec deux L. Ce n'est pas une règle qui marche à tous les coups, mais presque. Dans chacun de ces mots, je peux entendre une deuxième lettre qui fait un son particulier. Par exemple, dans travail, cela ressemble au mot bataille. Je peux les mettre ensemble. Ils font le aïe que j'entends dans médaille. Cela nous servira à bien les lire. Je rajoute le A.
le travail, la bataille, j'entends la même chose. J'entends également le œil dans fauteuil et dans feuille. Avec le U. C'est comme ça que nous apprendrons à les lire rapidement. Dans réveil et dans abeille, j'entends le EI. Alors, que je m'organise. Voilà, j'entends le EI dans réveil et dans abeille. Je t'ai expliqué que le E allait un petit peu avec le I pour faire le E. C'est un petit peu plus difficile, mais tu vas t'habituer à les lire rapidement également. Enfin, j'entends le OUI dans grenouille et dans citrouille. J'ai gardé le i que j'entends dans fille et dans bille, car il est un tout petit peu à part, puisque le i, je l'entends dans fille et je l'entends dans bille. Donc là, le i, je l'entends, pas comme dans feuille ou dans travail ou dans citrouille ou dans réveil. Voilà, aujourd'hui c'est une leçon difficile. Ce son, tu le retrouveras, tu le retravailleras au CE1 pendant longtemps. Mais ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que le I et le L, le I et deux L, à la fin des mots, ou des fois au milieu, mais c'est plus rare, font le son Y, exactement comme le Y que nous avons entendu dans le mot miel. Et que pour les dire plus facilement, nous allons faire des familles. Le aï, comme dans médaille. Le ei, comme dans abeille. Le oui, comme dans citrouille. Le œil, comme dans feuille. Et le i, comme dans fille. D'accord? Tu vas pouvoir t'entraîner à aller lire tes familles de mots sur ta fiche.